Vas-y, ça t'embête pas. Alors, en fait, c'est une sikha ici que Rabbi Lubavitch a donnée sur Parashat Trouma. Il donnait beaucoup de shiurim. Selon le Shabbat, ça pouvait être 4-5 heures de shiur de suite, Bon. où il n'arrêtait pas, il parlait sans arrêt, à part tous les cours qu'il donnait en semaine aussi. Et là, en fait, ces textes-là, ce sont un peu des résumés des shiurim, parce que quand il donnait des cours, c'était avec beaucoup de références, beaucoup de développement. On peut trouver l'intégrale aussi des cours, il y a des éditions qui les montrent, mais ici, ça, c'est plus déjà des choses où on va cerner le sujet d'une manière plus rapide, on va dire. Alors, ici, c'est une sikha sur Parashat Trouma, hein, qui va porter en fait sur une marloquette entre Rashi et Ramban sur la fonction de la caporette. La caporette, c'est le couvercle du Aaron. Donc, le Aaron Kodesh, c'est une Ouais. boîte en fait, dans laquelle L'étape. qui était en bois recouvert d'or à l'intérieur et à l'extérieur, dans lequel était l'étape de la loi, effectivement. Et qui était recouverte par un couvercle en or qu'on appelle la caporette, et dans lequel était fixé, en fait c'était pas fixé parce que tout était d'une seule pièce, qu'on appelle les crouvim ou les chérubins. Chérubins, ce sont donc deux formes, voilà exactement. Deux formes, tout était en or. Et ça ressemblait soit à des anges, soit à des hommes, on va voir, soit à des enfants. On va voir la marloquette justement entre Rashi et Ramban. Est-ce que j'ai le Et, droit de poser des questions? ouais, bien sûr, bien sûr. Quand vous dites, c'est juste, j'ai pas tous les termes, je connais pas tous les termes. Quand vous dites marque-loquette, c'est quoi? C'est un argument? Ah ouais, très bien de dire ça. Hein. Marloquette, ça veut dire une discussion. Ok, là j'ai Donc un il y a argument. une discussion entre, si tu veux, entre deux commentaires, ces deux commentateurs. Un qui était Rashi Et Ramon. et Ramban, qui est Nachmanide, Rashi qui habitait en France au XIe siècle. France? Ah oui, sûr, il habitait à Troyes. Il est enterré à Troyes. Bon, pendant une partie de sa vie, il était aussi en Allemagne. Et Ramban, Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, qui a vécu un peu plus tard, centaines d'années plus tard, et qui lui vivait en Espagne, à Barcelone, et qui est enterré d'ailleurs là-bas. Barcelone ou à Gérone, j'ai un petit doute maintenant. À Barcelone, en tout cas, peu importe. Donc, ils discutent ici, ils vont discuter dans leurs commentaires sur la Torah pour savoir à quoi ça sert ce couvercle. Vous allez me dire, dans une boîte, on aime bien qu'il y ait un couvercle pour que ce soit couvert. Mais en fait, est-ce que il va y avoir une discussion pour savoir d'abord quelle forme avaient ces chérubins? Et deuxièmement, hein, une autre discussion pour savoir est-ce que ce couvercle fait partie intégrante du haron, c'est-à-dire de la boîte, c'est comme, ou c'est C'est quelque ça. chose de différent, quelque chose qui est en plus de la boîte. Effectivement, d'ailleurs, on peut se demander ces questions, puisque justement, il y a des chérubins dessus. Est-ce que c'est simplement une décoration de la boîte, ou est-ce que c'est quelque chose qui représente autre chose et qui a une autre fonction que simplement refermer la boîte qui contenait les ordres de l'Arche d'Alliance? Alors, on va lire dans le texte, je ne sais pas si tu es habitué à lire dans le texte, mais. Les pirouches à Passouk, Venatati et Kaporet à l'Aaron. Venatata, pardon, ta caporette à l'Aaron, Milma Allah, Aaron, Titen et Taedut, Asher et Ten et Lecha. Alors, au verset, la Torah nous dit, tu poseras ce couvercle, la caporette, sur le Aaron, sur la boîte, au-dessus, et dans la boîte, tu mettras l'alliance, enfin, littéralement, le témoignage. Et Taedut, ça veut dire le témoignage, mais en fait, parce que ces tables de la loi sont le témoignage de l'alliance justement qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est la manière dont est formulé le verset ici. Alors, Rashi là-dessus explique d'une certaine manière et Ramban explique d'une autre manière. Rashi donc dit,
Katav chez Atam, chez Bepasoukze, venir Fal, Atsioul, Vealaron, Titen et Taedout. Pourquoi ici la Torah nous dit, ou dit à Moshe Rabbeinu qu'il faudra mettre dedans le témoignage, c'est-à-dire les tables de la loi, puisque ça a déjà été dit avant. Ouais. En réalité, plus haut dans les versets, au sujet du Aaron, il a déjà été dit qu'il fallait mettre la table d'alliance dedans. Et maintenant qu'on te parle du couvercle, on répète cette injonction de mettre les tables de la loi dedans. A priori, c'est inutile de le répéter, parce qu'on a compris. Alors, vous savez que dans la Torah, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui a l'air inutile, c'est pas inutile, c'est pour nous apprendre quelque chose. Et donc, ici, Rashi va dire que Yesh Loma, Shebal et Lamed, je suis dans la colonne de droite, Shebal et Lamed, Shebe Ado Aaron Levado, Belo Kaporet, Iten Trilat et Edout les Toro, Verharker Iten et Akaporet Alav. Ça vient nous apprendre que, en fait, la Kaporet, c'est quelque chose qui vient complètement après. D'abord, il faut finir le Aaron Kodesh avec les tables de la loi dedans. Et seulement après, on va s'occuper du couvercle. Ouais. Par contre, Ramban, Maimon, Narmani, ouais. Et Vi Bidvaray, et Pirouch Rashi, Vehakshe, Imayazé Tsava, Mashmaou Yoter, Sheachar, Sheiten Akaporet, Ala Aaron, Kacherama, Yiten Be'aaron et Taedout, Ki Aaron, Ikave, Biyoto, Akaporet, Alav. Ramban, il est pas d'accord avec Rashi sur un détail. On va voir que ce détail a une importance. Il va nous apprendre même quelque chose de profond. Et qui dit, non, les tables d'alliance, il faut les mettre qu'une fois qu'on a préparé le couvercle. Bon, bien sûr qu'il va falloir ouvrir le couvercle pour mettre les tables d'alliance dedans. Mais il faut d'abord finir tout le Aaron Kodesh, lui mettre son couvercle. Une fois que cet ensemble est terminé, alors on se débrouillera après pour introduire une table d'alliance dedans. Alors vous allez dire, mais franchement, quelle différence? Un, il dit, il faut d'abord faire la boîte, mettre les tables dedans, et ensuite mettre le couvercle. L'autre, il dit, tu fais la table, tu mets le couvercle, et après tu mets les tables dedans. Ok, bon, très bien. Est-ce qu'ils avaient que ça à discuter dans leur vie? Ok. Alors. Je veux dire, qu'est-ce que ça apporte? À la fin de la journée, le but, c'est de. Exactement. À la fin, bon, t'as une boîte pour conserver les louchotes. Alors, encore plus que ça veut dire la parochette, on a en train de casser la tête sur ça, mais c'est accessoire. Tandis que la boîte est déjà faite. Voilà. La caporette, c'est la caporette, c'est-à-dire le couvercle, ouais, a priori, c'est secondaire. Alors, Rabbi explique, quel membre de date Rashi, d'après Rashi, Aaron et Vado, bli à caporette nikra bechem Aaron. On voit qu'en fait, d'après Rashi, le Aaron, il est déjà terminé sans le couvercle. Ok. Mais la reine que chez Neymar, vers Aaron, titan et taïdous, machmout, akatouv, i, à l'Aaron, les vado, belo caporet. Machinken, à Rambam, chez Aaron, il carré, bioto, vers caporet à lave, à caporet à lave, en l'omar, chez Amra, si vous, i, mais la chaîne, acher, machmout, yote, et faire, titan, achar, titan, à caporet à l'Aaron. Donc, d'après Ramban, le Aaron, il est complet sans son couvercle. D'après Rashi, pardon. Et d'après Ramban, c'est le contraire. Il faut que tout soit déjà fait pour pouvoir introduire ensuite dans le Aaron. C'est-à-dire que le Aaron nécessite ce couvercle. Okay. Ça veut dire que le Aaron, il n'existe que s'il y a ce couvercle. Exact. Tandis que pour Rashi, il n'a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin. Okay. On est encore, apparemment, dans une discussion assez technique. Yesh Lomar, Shen Zerak, Hiluk, Beshem Aaron. C'est bizarre, la question de Rashi. Non, parce que c'est répété deux fois. Alors, si c'est répété deux fois, hein, ça veut dire que il fallait le mettre avant. Ezeu, Hiluk, Lealacha, Begeder, Aaron, Akaporet. Qu'en réalité, hein, ici, il y a. Il va falloir comprendre qu'est-ce que c'est ce Aaron. C'est pas simplement une boîte, c'est pas simplement un emballage. Et même le couvercle, c'est pas simplement ça. En fait, tout ce qu'il y a dans le Beth Amikdash, c'est une fonction symbolique, une fonction rituelique, une fonction de kedusha extraordinaire. Il y a pas que c'est pas quelque chose simplement d'utilitaire.
D'accord. Nous, on, objet, on a des objets. Achète un truc au supermarché, c'est dans une boîte, bah, tu as besoin de la boîte pour conserver l'aliment. Ici, c'est pas seulement pour conserver la boîte elle-même, même si elle est vide, elle a une fonction en tant que telle. D'accord. Et même le couvercle, ah, ce qu'on va voir. Ça n'a pas de penser. Les ordonnances sont claires, dit. Les couverts, ils sont tous morts. Ah, il a... Les dates à Ramban. Quelqu'un veut un thé ou quelque chose? Les dates à Ramban. Ben oui. C'est comme ça, dit-on. Tu as le Rav, c'est nous. Les dates à Ramban. À Kaporet. I. Prat Vechelek Meharon. D'après le Ramban. La Kaporet, c'est un détail, c'est une partie du Aaron. Et d'afka que chaque Kaporet ne veut que t'as l'Aaron, Azaï Aaron ou Bishlemuto. Et c'est seulement lorsqu'il y a le couvercle et la Kaporet que le Aaron il est complet. Et quand vous faites référence au couvercle, vous faites référence à la Kaporet. Ouais, la Kaporet, ça veut dire couvercle. Ok. On ne peut pas confondre avec la Parochet qui veut dire le rideau. Mais c'est un peu le même, j'allais dire, c'est un peu la même chose, non? Ouais, c'est quelque chose. C'est un couvercle sur l'arbre aussi. Sur l'arbre, exactement. Le roc, ça a une fonction un peu spéciale. Ok. Mais je marche, il y a des hermans chez Aaron Goufa, merci beaucoup. Aya Asoui mi Sholosh Tevot, Vedafka, Istarfut Kulam Yachad Istarer, Yetzara et Metsiout Aaron. Aderze Gamakaporet, Chi Kisoui à Aaron. Eta Chelek Mela. Donc, pour faire simple, il considère donc le Ramban que c'est une partie intégrante du Ramban. Par contre, Rashi, la Kaporet, il kli bifne atzmo. Pour Rashi, c'est autre chose. C'est quelque chose qui vient en plus. Le Aaron, il est complet sans la Kaporet, sans le toit. Ok. Vezorazou, Matsinu, Benogia, la Alacha, Kemoshe, Katav, Agamon, Roget Shover. Roget Shover, un grand Raham du XXe siècle. Un des plus grands géonymes du monde ashkénaz. Et il dit que ça fait une conséquence à l'Afrique, cette marloquette. C'est quoi la conséquence à l'Afrique? Mais c'est Shigmaran, il crée ta caporette Kelim. Si la caporette, elle est appelée un des Kelim du Beth Amikdash, un des outils, un des objets du Beth Amikdash, ça indigne comme tous les autres kélis, ce qu'on appelle un hercher kéli, il faut qu'il soit prêt. Vrem, imachekatouf, betorat kohanim, et fiche neymar, kaporet, yachol yé kisou le aaron, talmud lomar, kaporet, kaporet le aaron, ve en kisou le aaron. Il y a une torat kohanim qui dit attention, c'est pas un vrai couvercle, c'est une kaporet. Kaporet, on va voir que c'est comme une couronne. Par ça, le mot kaporet, il rappelle quelque chose, le mot kapara. On sait que tout le Beth Amikdash, il a pour faire la kapara du Klal Israël. D'accord ? Pour acheter nos fautes, pour nous réparer, pour rétablir la connexion avec Dieu. Okay. Parce que quand on fait une faute, quand on se détourne, on se détache d'Hachem. Donc, tout ce qu'ils ont fait dans le Beth Amikdash, c'est pour renouer le lien avec Dieu. On a même des korbanot pour ça, pour se rapprocher d'Hachem, pour retrouver une relation avec lui. Et en fait, dans le mot kaporet, il y a ce mot kapara, et c'est ce qui veut dire en fait une réparation. Une réparation d'une connexion. Par exemple, tu disputes avec ta femme. Ok, il faut que tu reconstruises maintenant. Pas tout, c'est pas tout bon dire bon, ok, c'est fini, ok, on repart comme ça. Non, il faut que tu reconstruises une relation, une communication, une connexion. D'accord ? S'il n'y a pas cette connexion, si tu ne la construis pas, ben, ça reste, tu restes avec le dommage, tu restes avec la séparation. Alors des fois, bon, on peut se dire le couple est suffisamment solide, on peut se disputer un peu de temps en temps, ce n'est pas ça qui va affecter les racines de notre couple. Mais il faut faire attention parce que force de répéter ou à force d'exagérer et de déraper, on peut briser des choses dans la relation. Au bout d'un moment, il y a un manque de respect qui s'établit. Du coup, il y a un manque de respect, donc après, il y a un manque de sentiment, d'affection, un manque d'attention, une certaine froideur, une certaine indifférence. On voit ça très, très souvent dans les couples. Le couple s'entretient. Pourquoi ? Parce que il faut en permanence rétablir cette connexion. Beth Amikdash, c'est un peu la même chose. C'est comme un couple avec Hachem. C'est l'endroit où on
on trouve des solutions pour rétablir la connexion. Ouais. Alors, c'est un peu ce que nous dit Torah de Kohanim. Ne crois pas que c'est simplement un couvercle. C'est une couronne, on va voir ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est quelque chose qui... C'est la symbolique de la couronne, elle est liée avec cette idée de connexion avec ce qui est supérieur. Parce que la couronne, c'est quelque chose que tu mets au-dessus de ta tête, normalement. Pour les rois, d'accord. Mais tu mets ça au-dessus de ta tête. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui te connecte à quelque chose qui est au-dessus de ta tête. D'ailleurs, même la kippa, en fait. La kippa, c'est un peu une caporette aussi. La kippa, hein, c'est ce qui nous dit, bah, y a au-dessus de ta tête, il y a quelque chose. Si tu mets quelque chose sur ta tête, c'est pour te rappeler que au-dessus de toi, il y a Hachem. En fait. Tu n'es pas seul dans ce monde. Et nous, on a tendance à se dire, bon, bah, je vais fonctionner avec moi, il faut que je sois indépendant, il faut que je sois autonome, je vais me débrouiller dans les difficultés, je vais assumer, je dois être un homme. Oui, c'est très bien, mais tu as besoin d'aide aussi. Tu as besoin, n'oublie pas que l'homme, il est quand même vulnérable. Qui on est, nous, par rapport aux vicissitudes de la vie, qui on est, nous, par rapport à la santé, par rapport à la parnassa, parce qu'on croit qu'on va tout faire. Même si quelqu'un se bat, il dit, je me suis fait moi-même, j'ai construit ma parnassa. Très bien, tu as fait des efforts, mais ça aurait pu ne pas marcher. Ce qui fait que ça a marché, c'est toi. Non, toi, tu as fait tes efforts, et Hachem, il t'a donné la bracha. Ça, c'est la connexion avec quelque chose qui est au-dessus de ma tête. C'est la couronne. La couronne, elle, on la kippa, elle nous permet de comprendre qu'on n'est pas seul. On est dans une relation avec quelque chose de transcendant, quelque chose de supérieur. Okay? Et donc, il y aurait une tendance, ce serait en fait la tendance de Rashi, de nous dire que la caporette, elle n'est pas simplement une fonction de couvercle, c'est pas simplement une partie du haron, parce que le haron doit être fermé de tous les côtés. Non, ça représente un élément de connexion avec Dieu. Oui. Le haron, il représente quelque chose d'extraordinaire aussi. C'est comme un peu la tête qui on va voir ce que ça représente. Mais la caporette, ce couvercle, c'est pas seulement un couvercle. C'est un autre élément indépendant du haron. Ça, c'est la svara de Rashi. Oui. Donc en fait, c'est intéressant parce que on voit qu'à travers un détail technique, à partir d'une répétition dans un verset, on est peut-être capable de dire que quelque chose de d'important, comment connecter avec Dieu, alors c'est ça qu'on va développer. Ouais. Alors, le Rogat Shover, il nous dit en fait, ça veut dire, est-ce qu'un Aaron Kodesh, il est complet sans Aaron Kodesh, est-ce qu'il est complet sans ou avec? Alors voilà, c'est la différence entre Rashi et Ramban. Alors, ça c'est d'après Rashi, on comprend donc la caporette, elle a une fonction en tant que telle. D'après Ramban, eh bien, qui lui il nous dit que ça fait partie du harem, en fait on peut se demander à quoi ça sert. Eh bien, ce à quoi ça sert, ce sont en réalité ce qu'on apprend par ailleurs. C'est que la Shekhina, elle doit résider dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, la partie la plus profonde du Mishkan, près du Beth Hamikdash. Cette partie la plus profonde, elle doit résider en réalité, où est-ce qu'elle réside? Sur le Haron Kodesh. Sur l'Arche de l'Alliance, c'est là que la Shekhina, elle vient, dans certains endroits, c'est même marqué entre les Kruvim. Alors, alors, d'après Ramban, je vais sauter au Dalet, on va faire exprès de faire un peu, pas forcément tout dans les mots, pour mieux comprendre le sujet dans un temps restreint. D'après Ramban, dans le Dalet, page 527, colonne de droite, Katav chez Ikar Rafetz Bemishkan, ou Makom Menuchat Ashrina, chez Aaron, en fait, il explique que tout le Mishkan, le but essentiel du Mishkan, c'est que la résidence, que Dieu est une résidence sur terre. Mishkan, ça veut dire quoi Mishkan?
c'est bien le mot shochen. Shochen qui veut dire résider. Un shechen, c'est un voisin, c'est quelqu'un qui réside à côté. Les Mishkan, c'est la tente de, où Dieu réside, c'est-à-dire la Shekhina se pose sur terre à partir du Mishkan, après le rayon aussi dans le monde, parce que ça doit être simplement localisé à un endroit, c'est ce qui nous permet, après dans le monde entier, d'avoir un Mishkan aussi avec nous, c'est-à-dire que, comme c'est marqué, Veshachanti Betocham, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il va résider parmi nous, mais ça vient d'abord dans le Mishkan. Et c'est ça la fonction essentielle du Mishkan, d'après le Ramban. Et donc, en réalité, étant donné que où est-ce que la Shekhina est surtout concentrée, c'est au niveau du Aaron, eh bien, pour lui, il faut que le Aaron y soit complet avec les chérubins pour que la Shekhina puisse complètement résider. D'accord ? Par contre, d'après Rashi, je suis dans la colonne de gauche, Avalé de Rashi, Tachlit Aaron et Tachlit Akaporat, Emshne Inyanim Nifradim. D'après Rashi, ce sont deux fonctions différentes, celle du Aaron d'un côté et celle de la caporette, donc encore une fois de la couronne ou du couvert qui est dessus. Pourquoi ? Aaron ou les Shem Haedut, comme c'est marqué dans le verset, puisque c'est pour mettre l'arche d'alliance, là-bas ça s'appelle le témoignage. C'est-à-dire qu'en fait, le Aaron il a une fonction de porter le témoignage. C'est quoi le témoignage ? C'est-à-dire, au fond de compte, la conscience qui a Dieu. C'est quoi un témoignage ? Et d'autres, c'est quoi ? Revenons aux définitions basiques. Quand quelqu'un témoigne, en réalité, il affirme que quelque chose, qu'une réalité se passe ou s'est passée. D'accord ? Tu témoignes de quelque chose, tu dis, il y a ça qui est réel. D'accord ? Alors, quand on met les louchot, le témoignage, dans le Beit Hamikdash, c'est pour qu'on ait une conscience, un témoignage, comme quelqu'un qui devrait nous dire en permanence, Dieu, il est là. D'accord ? C'est lui qui a donné la Torah, c'est lui qui nous a sortis d'Égypte, tout ça, c'est le témoignage de ça, c'est porté dans ce Aaron Kodesh. Okay ? Ça, c'est la fonction donc, du Aaron. Le Aaron, c'est pour être un support du témoignage de Dieu et la conscience de toute l'histoire qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait vivre. Si on en a besoin, c'est que dans la Torah, dans la Avoda de chaque jour, on est tout le temps en train de se souvenir que Kadosh Baruch Hu nous a sorti d'Égypte, qui nous a donné la Torah. Regardez les filotes qu'on fait. Pourquoi ? Tu as besoin de ça ? Oui, tu as besoin de savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu es, quelle est ta richesse, quel est ton héritage, de quoi tu es porteur. Donc, ce qui représentait ça dans le Beit Hamikdash, c'est le Aaron Kodesh. C'est l'endroit où il y a la Hédoute, où il y a le témoignage. D'accord ? Donc, l'ordre de faire ce Aaron, construire ça, c'est par rapport à cette notion de Hédout. Mais la Hédout, en réalité, hein, c'est quoi la Hédout ? C'est essentiellement la Torah. Pour nous, comment on se souvient, comment on sait ? Ben, quand tu ouvres un livre de Torah, tu ouvres un Kumash. Okay, c'est là que tout. Effectivement, l'étape de la loi, c'est le concentré de la Torah. C'est les 10 commandements qui contiennent toute la Torah. Donc, en fait, le but du Aaron, c'est cette connexion qu'on a avec Hachem, on va reprendre ce terme un peu moderne, qu'on a, cette connexion avec Hachem qu'on a au travers de la Torah. D'accord ? Et quand on dit la Torah, c'est y compris aussi les mitzvot. Par exemple, tu vas faire Kiddush. Enfin, Kiddush, c'est en plus une mitzvah qui s'appelle Edot, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui témoigne que Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours, et le 7e jour, il s'est arrêté. Mais c'est vrai pour toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot, elles sont une manière de se souvenir que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le créateur, c'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui nous a donné sa Torah. Okay. Maintenant, la caporette, c'est quoi ? La caporette, elle vient en plus. Donc c'est quelque chose qui n'est pas utile pour cette idée de témoignage. Alors c'est bien pourquoi ? Alors, c'est marqué comme ça. Venodati lecha sham vedibarti itra meal akaporet mi ben shne akruvim. Je me ferai connaître à toi là-bas, ou ça, à cet endroit-là de la caporette. Pourquoi ? Parce que vedibarti itra, je parlerai avec toi
d'au-dessus de la caporette, entre les deux krouvim. Autrement dit, Moshe Rabbeinu, quand il entendait la parole de Dieu, cette parole, elle sortait d'entre les ailes des chérubins. Okay. Alors, donc, la prophétie, la parole divine, elle venait de cette caporette. Elle venait de l'endroit de la caporette. Donc c'est une autre fonction que simplement le témoignage qu'on a, c'est-à-dire la dvekout et la connexion qu'on a par la Torah. Ici, c'est autre chose. C'est la parole de Dieu qui se révèle à un autre niveau. D'accord. Alors c'est pour ça qu'il dit Rashi, à la pasuk enze inyan munachat ashrina, et là, keshe egva moed lecha ledaberitra imecha. Automakom ekave le moed sheavo sham le dober elecha. Rashi dit, donc c'est pas simplement un endroit où la shrina se pose, comme on l'avait compris dans le Ramban, que la présence divine, elle se révèle à partir du Aaron Kodesh et à partir d'entre les ailes des Krouvim qui est une partie du Aaron, la caporotte étant une partie du Aaron. Non, c'est une autre fonction, nous dit Rashi. C'est en plus de la shrina, c'est quelque chose d'où Dieu va donner des ordres. Il va donner des ordres précis à Moshe Rabbeinu, des ordres de prophétie, en fait, par une forme de prophétie, qu'il va donner à partir de cet endroit. Et c'est ça la fonction de la caporette. Donc, encore une fois, ce n'est pas simplement le couvercle de Aaron, une partie de la mitzvot, c'est quelque chose d'en plus de la Torah. On a la Torah et les mitzvot, et on a ici quelque chose qui vient en plus de ça, qui est cette parole que Dieu adresse directement à Moshe. Alors, peut-être qu'il nous adresse aussi à nous. On ne va pas se prendre pour Moshe Rabbeinu comme des prophètes. Mais ça veut dire qu'il peut y avoir aussi une autre forme de connexion avec Akadosh Baruch Hu, que simplement par Torah ou Mitzvot. Quelque chose même peut-être de supérieur. Pourtant, nous, on a l'impression que toute notre relation à Dieu, elle passe par Torah ou Mitzvot. Mais Torah ou Mitzvot, ça, c'est le Aaron. Mais ce qu'il y a au-dessus de l'Aaron, c'est quelque chose de plus profond. Comme si on pouvait avoir une relation avec Dieu au-delà de la Torah. Imagine que bon, nous on étudie la Torah jour et nuit, on rêve de ça. Donc on connecte avec Hachem, on comprend ce qu'il veut, on essaie. Mais maintenant imagine que tu fermes tous tes livres, tu n'es pas dans Torah Mitzvot, et tout d'un coup, à Kadosh Baruch Hu, il te parle. Il te dit, bon Hillel, j'ai quelque chose pour toi à te dire. Ok. Il attend. Ok. C'est ce qu'il faisait avec Moshe, Hachem. Hachem, c'est ce qu'il faisait avec Moshe. Est-ce que ça, c'est une relation de Torah? Non. Ce n'est pas une relation de Torah, c'est une relation entre Dieu et Israël. C'est une relation entre Dieu et Moshe, mais aussi, puisqu'on a tous un petit aspect de Moshe, c'est une relation entre Dieu et nous, au-delà de la Torah. Est-ce que nous, on peut avoir une relation avec Hachem en dehors de la Torah? On dirait d'après Rashi que oui. Quelque chose même d'au-dessus, puisque c'est placé au-dessus. Okay. Alors, si on voit le Zohar de Rashi, c'est une avoda en soi. C'est une avoda en soi. Qui est encore plus que Torah Mitzvot. Qui englobe. Du fait que les Krouvim, ils étaient au-dessus du. Ouais, et parce que c'est la caporette. Ouais. La caporette, c'est quelque chose qui est en plus. Alors c'est mais au-dessus. C'est supérieur. Ouais. C'est et c'est de la physique, quoi. Voilà. C'est de là-bas que la parole de Dieu sort. En termes de fonction, d'accord. Mais en termes d'objet en tant que tel, c'est une partie intégrante. Alors, pas d'après Rachid. Non, j'ai très bien compris. Ouais. Et je vous dis, ça veut dire les deux chitotes, on peut les voir clairement. Ouais. Ouais. Alors, si on pense comme ça, Rabbi, ça veut dire que Ramban, lui, il dit que Torah Mitzvot, c'est la même chose que. Alors, en tout cas, que c'est ça qui permet de faire résider la Shrina. Alors, on va voir un peu plus maintenant, en essayant de comprendre qu'est-ce que c'est que ces chérubins. C'est le truc le plus étonnant que tu puisses imaginer dans la Torah, où en particulier dans les 10 commandements, on te dit tu vas pas te faire de représentation, tu vas pas te faire d'idole, tu vas pas faire de statue. Maintenant, au-dessus de ces commandements qui sont marqués justement dans la boîte, tu mets deux statues. D'accord ? C'est quoi ces lions ? C'est la Torah ? Non, c'est des anges. Okay. Alors, on va peut-être pas répondre tout de suite à cette question. Comment la Torah l'a permis ? Mais on va y répondre de manière annexe. C'est pas vraiment ça la question. Mais d'abord, premièrement, qu'est-ce que ça représente ? On comprend bien que c'est permis. Parce que si Hachem l'a ordonné, forcément c'est permis. En réalité, puisqu'on a ouvert cette parenthèse, on va y répondre. C'est pas simplement là qu'il y avait ça, c'est-à-dire que dans les tentures du Mishkan et même du Beth Amidash, il y avait des broderies qui représentaient justement ce qu'il y avait aussi dans le chariot divin, c'est-à-dire des aigles,
des taureaux, d'un lion, ou plus exactement, un animal qui mélangeait ces trois aspects. D'accord ? Plus même une tête d'homme. Okay. Oui. Et ça, c'était brodé en or et dans les tentures. Donc en fait, on avait des représentations partout. Aussi surprenant. De Shlomo HaMelech aussi, hein ? Évidemment, dans le premier temple aussi, on a retrouvé ça. C'est complètement étonnant. C'est complètement curieux. Alors que la Torah, par définition, elle interdit toute représentation. Ok ? Alors, ce qui est expliqué, c'est que on n'a pas le droit de faire des représentations. Pourquoi ? Parce que on risque de tomber dans la vodou d'Azara, dans l'idolâtrie. D'accord ? C'est quoi l'idolâtrie ? Tu fais une forme qui représente quelque chose de céleste, tu fais une statue, et du coup, c'est pour connecter avec cette dimension céleste. Mais ça, c'est un gros problème. C'est le problème de l'idolâtrie, c'est un problème où finalement, on donne de l'importance à quelque chose qui est intermédiaire, on ne se connecte pas directement à Dieu. Okay ? On explique le Rambam. Maintenant, dans un endroit aussi kadosh que le Beth Amikdash, ça ne gêne pas. Un peu comme dans le Beth Amikdash, par exemple, les Kohanim, dans leur ceinture. Leur ceinture était brodée de charatnez. Il y avait du lin et de la laine. Le lin et la laine, c'est un interdit de les mélanger. Mais dans un endroit kadosh, c'est permis. Même plus, les 39 travaux. Ouais. Oui. Shabbat, on a pas le droit de faire, il les faisait. On faisait aussi l'avoda d'Ochet à Shabbat. D'accord ? C'est du feu pendant Shabbat. Très bien. C'est un peu aussi comme aussi théoriquement dans les tzitzit. Aujourd'hui, on ne le fait pas pour différentes raisons. Mais théoriquement, c'est fait de lin et de laine. D'accord ? Un talit en lin, mais tu mets un fil en laine pour le techelet. D'accord ? Donc tu peux faire du shahatnez dans un niveau de kedusha extrême. Alors ça, c'est pour répondre à cette idée que effectivement, il pouvait y avoir des krouvim, des statues qui étaient dans le Beth Amikdash, et ça ne gênait pas, parce qu'on était dans un endroit de kedusha où ça ne séparait pas de Dieu. La révélation de Dieu est tellement forte que ce n'est pas ça qui va te couper d'Hachem. Mais maintenant, ces statues, elles représentent quoi ? D'accord ? C'est quoi ? Alors c'est une marloquette. C'est ce qu'on va voir maintenant dans la haute traite. Alors, page 528, le rabbi il explique on est arrivé au Aleph, il dit Akruvim em prat bekaporet, mishne ketsavot à kaporet, asu meksha el shne akruvim. En fait, d'abord, ces Akruvim, ces chérubins, ce sont une partie intégrante de cette kaporet, de ce couvercle. Ce n'est pas quelque chose qui a été vissé dessus, qui a été soudé dessus. C'était un seul bloc d'or qui a été étiré et qui en haut formait ces chérubins. Wow. Ouais. Comme c'est marqué dans la Torah, c'est marqué Miksha Achat. Miksha Achat, c'est-à-dire un seul bloc. Deuxièmement, Akruvim Enam Rak Prat Bekaporet, ce n'est pas simplement un détail de la caporette. Ça veut dire quelque chose comme une espèce de décoration dessus. Et là, Akruvim Gufa em Chelek shel Aaron keshem shel Kaporet i Chelek mimena. Donc ça fait ici ça fait vraiment partie intégrante de voilà. Okay. Alors pour Rashi, qu'est-ce qu'il pense? Rachid des Viralé chez Akaporet i Dvar Mifrad Meharon. On a dit plus haut que d'après Rachid, c'est quelque chose qui est distinct du Aaron en tant que tel. Alors, les Kruvim Ainam Prat Beharon Kemuvan. Donc, c'est sûr que ce n'est pas une partie du Aaron, puisque déjà la Kaporet, ce n'est pas une partie du Aaron. C'est quelque chose de différent. Donc, évidemment, les chérubins aussi. D'accord ? Mais plus que ça, Mi pashtut amikraot mashma, shakruvim ainam inyam bifne atzmo, et là, emprat bekaporet, c'est pas quelque chose de séparé de ce couvercle, c'est quelque chose qui fait réellement partie du couvercle. Et premièrement, naasu akruvim mitchad, d'abord, comme ce qu'on vient de dire, c'était fait dans un bloc. Et deuxièmement, emayu sochechim bekatveyen ala kaporet yupne akruvim. Keloma, shakeli le kiyum venodati vedibarti et akaporet, ou à Kaporet, et là, chez Kaporet Goufa, bah,
à Kol mi benchna Krouvi. En réalité, les Krouvim, ils venaient, ils recouvraient l'ensemble de cette caporette, et c'était entre eux que sortait ce Kol, comme l'expliquait Rachid. C'est-à-dire que c'est pas. C'est comme si la caporette, elle forme une entité qui fait comme un. Comme un cercle, en quelque sorte, d'où sortait la voix. Donc c'est une seule entité dans la caporette. Pour le Ramban, eh bien, les Krouvim, c'est pas simplement quelque chose qui était comme ça, une manière de former un espèce de réceptacle pour que la voix sorte. C'était quelque chose qui représentait ce qu'il y a dans le chariot divin, ce fameux chariot divin, ce qu'on appelle la Merkava, qui a été décrit plus tard par le prophète Ézéchiel, qui a décrit tout le Maasé Merkava, dans le premier chapitre du livre d'Ézéchiel. Alors, le Ramban, il explique donc que c'est ça, Ézéchiel, Veda, ouais. Qui a Krouvim, Emma, ou la chem nikra Yoshev a Krouvim, qui a eu Porsche Kenafim, le Oroch et M. Merkava Nosea Kavod. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étendaient leurs ailes? Pour dire qu'ils sont comme les anges qui portent le chariot divin, qui, dans l'image du chariot qu'il a vu, le chariot divin, qui est une image évidemment symbolique, prophétique, mais il est porté par des anges, des Chayot HaKodesh. C'est les anges qui portent le chariot. Alors ici, le fait que on représentait en fait ces anges avec des ailes qui s'étendaient, ça représente cette idée justement de ce qui porte le chariot, c'est-à-dire ce qui porte la Shrina. C'est logique, puisqu'il a dit, le Rambam, que la fonction de tout l'ensemble du Aaron, y compris son couvercle et ses chérubins, c'est pour que la Shrina se révèle dans le Beit HaMikdash et ensuite dans le Klal Yisrael. D'accord ? Donc en réalité, on voit dans la forme de ses ailes l'idée de porter la Shrina. C'est un support de la présence divine. Oui ? Alors je suis dans la colonne de gauche, deuxième paragraphe, page 528. Ou basé, hein ? Umever et Tatam chez Chazar Akatou, Veshana Venodati. Alors, on comprend pourquoi maintenant il y a cette idée qui est marquée deux fois Venodati, Alarona et Doud. C'est parce qu'en fait, tout ça, c'est que tous ces chérubins qui sont là et qui étendent leurs ailes, c'est pour que ce témoignage de la présence divine, il soit complet, qu'il soit porté, y compris par ces chérubins. Ces ailes représentent ce qui va reporter, qui va porter. Cette présence de Dieu. Okay. Tout ça, c'est donc pour qu'il y ait la présence de Dieu et aussi le témoignage. Par contre, pour Rashi, étant donné que en fait c'était différent, alors il va expliquer que. Ces chérubins, ils ne représentent pas ce qu'il y a dans les anges qui sont dans le chariot, qui portent le chariot divin en haut. En fait, ces deux anges, nous dit Rashi, ils ont une forme, ils ont un visage d'enfant. C'est comme deux enfants. Les chérubins, c'était comme deux petits enfants. Okay. Ça, c'est. Alors, d'après Ramban, ce n'était pas des visages d'enfants, c'était des visages au contraire. En réalité, quand on regarde un peu le Ramban là-bas, ce qu'il explique, c'est que. Ces chérubins, parce que les anges qui portent le chariot, les Chayot HaKodesh, elles ont quatre visages, imagine. C'est embêtant. Nous, on en a un, mais eux, ils en ont tous les côtés, quatre. Un visage, il a une tête de lion. Un visage, il a une tête de taureau. Un visage, il a une tête d'aigle. Et un visage, il a une tête d'homme. Certains Mefarshim expliquent. En réalité, on est dans les secrets de la Merkava ce soir. Certains de mes farshim expliquent que, en réalité, ce n'est pas vraiment une tête d'aigle. C'est les hommes. Il y a des hommes qui ont des têtes d'aigle. Il y a des hommes qui ont des têtes
de lion, des hommes qui ont des têtes de taureau et d'autres d'hommes. En réalité, c'est quelque chose de très profond. C'est comme s'il y a quatre racines de visage humain. Et chacun, il se rattache, on peut toujours attacher un visage humain à une de ces quatre racines. On ne va pas rentrer dans ce détail-là maintenant, on fera ça. C'est là que ça découle le Rambam qui fait tout ça sur les horoscopes et tout là. Qui fait quoi, qu'est-ce qu'il fait le Rambam? Que le Rambam il parle dans des horoscopes, taureaux, ouais. Machin, des, alors, par rapport aux astres. Oui, ça c'est lié avec ce qu'on appelle le signe du zodiaque. Il y a un kécher avec ça. Oui, il y a un kécher avec la Merkaba, bien sûr. Ouais. Oui. On va le développer peut-être un jour. On fera un cours d'astrologie juive. Ok. Et bref. Il y a mis un petit quelque chose quand même. Ça, ah, c'est pour le Fabrien. On va le faire. Alors, d'après le Rambam Nachmanide, en fait, le visage de ces chérubins, c'était le même visage que la face d'homme de ces anges. Donc, ils avaient quatre facettes, une plus aigle, une plus taureau, une plus homme. Et ce visage de l'homme, on retrouvait la même image que Ézéchiel a vue là-haut, on le retrouvait sur le visage en or de ces chérubins. Okay. Alors, dès que tu parles d'ange, tu comprends que ça fait référence à la présence de Dieu, les anges qui entourent la Shrina, qui portent le chariot divin, etc. Par contre, quand tu parles d'enfant, Rachid est tout autre approche. Il dit non, vous n'avez pas de visage d'ange. Mais quand on dit les petits bébés, c'est des petits anges, mais c'est par déformation. C'était des visages d'enfants. Pas la même chose, un visage d'enfant ou le visage de la Hayot HaKodesh qu'il a vu Ézéchiel. D'accord ? Alors, ce visage d'enfant, il représente en fait quelque chose de très intéressant. Parce que, effectivement, tu peux voir le Beth Amikdash et donc effectivement la Caporette comme quelque chose qui est là pour que la Shrina, elle réside. Mais c'est aussi peut-être pour avoir une relation avec Akadosh Baruch Hu qui est comme celle d'un enfant avec lui. Parce qu'un enfant, c'est quelque chose d'ingénu, de pur. Il n'a pas fauté encore. Tu vois un petit enfant, la relation que tu as avec lui, elle n'est pas avec toutes les complications. Elle est dans la simplicité la plus pure. D'accord ? Avec un adulte, c'est compliqué. Il faut gérer la communication. Avec un enfant, ça peut être direct. Mais des fois, il peut se bloquer et faire un caprice. Mais il y a quelque chose de naturel, de direct, on va dire d'essentiel. Et en chacun de nous, il y a cet enfant-là. Ce n'est pas qu'on va rester dans un manque de maturité, dans une puérilité. Notre vie, ce n'est pas ça. C'est que, quelque part, il faut qu'on retrouve à chaque fois une relation pure et directe avec Akadosh Baruch Hu. Quelque chose qui est au niveau de l'essence. C'est pour ça que, quand on a dit, que Rashi nous a dit, qu'en réalité, la caporette, c'est autre chose que la Torah. C'est la relation directe. Le Harod Kodesh, c'est l'étape de l'alliance, et même d'après certains, on mettait même le Sefer Torah dedans. C'est vraiment la Torah. C'est le témoignage de la Torah, c'est la connaissance de Dieu par Torah Mitzvot. Mais on a dit, ce couvercle, c'est indépendant, c'est quelque chose qui est au-dessus. Qu'est-ce qui est au-dessus ? Qu'est-ce qu'il y a comme relation plus grande avec Dieu que celle par Torah Mitzvot, qui est extraordinaire, Torah Mitzvot, tu n'as pas besoin de plus. Si, il y a quelque chose qui est retrouvé, une relation directe, ingénue avec Hachem, innocente, oui, au niveau de notre essence. L'essence de notre âme, elle vient d'Hachem. Ok, dans le Tanya, que le Neshama d'Israël, le Nefesh Eloki, c'est un Chelek Eloka Mimaal Mamash. C'est une partie de Dieu. Dans la mitzvah de Machatzit HaShekel, vous savez ce que c'était Machatzit HaShekel ? On va rentrer dans. On est dans Hadar, maintenant bientôt on va faire le Zecher de Machatzit HaShekel. C'est une pièce qu'on donnait chaque année en don pour le Beit HaMikdash, pour acheter des korbanot pour la communauté. Chaque Ben Israël en donnait. Ça devient une certaine somme à la fin, 600 000 personnes qui donnaient, ça permettait de
faire fonctionner les sacrifices offerts pour la collectivité. Corban Tamil, Corban Moussaf. Ça, c'était pendant l'époque du Beth Amidash. La première fois que c'était donné, c'était aussi pour le compte des Béni Israël. Cette pièce qu'on donne, c'est une demi-pièce. Une demi-pièce. Tu ne donnes pas un shekel, tu donnes un demi-shekel. Pourquoi tu donnes un demi-shekel? Tu ne peux pas donner un shekel par personne. Pourquoi tu veux donner un demi-dollar? Donne un dollar. Ce serait plus logique. Chacun donne sa pièce. Pourquoi tu vas donner une demi-pièce? L'idée de demi-pièce, c'est savoir qu'on n'est qu'une moitié. Que l'autre moitié, c'est Hachem. Ces deux moitiés-là, la moitié mon âme divine, mon âme sacrée, mon âme pure, et l'autre partie Hachem, c'est comme ces deux chérubins, ces deux enfants, qui sont face à face, qui doivent être face à face, qui doivent se connecter, comme notre Neshama doit se connecter avec Kadosh Baruch Hu. Donc l'idée ici, d'après Rashi, c'est que quand il y a ces deux chérubins, on peut avoir, il faut qu'on retrouve de temps en temps, ou même peut-être tout le temps, une relation directe et pure avec Hachem. C'est pas, ça ne va pas empêcher de faire la Torah et de faire le Mitzvot, bien entendu, parce qu'elle est en train de nous dire Rashi. Mais il doit y avoir ça au-dessus, il doit y avoir ça en permanence. Parce que sinon, regarde, des fois tu peux étudier la Torah, tu peux te prendre pour un haha, ouais, je connais, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Ok, mais tu es en train de t'enfermer là. Tu es en train de t'enfermer dans ton orgueil intellectuel, spirituel. C'est pas parce que tu as fini même tout le chasse que tu connais encore. C'est infini la connaissance de la Torah. Une fois, Abraham de Volodine, qui était un des disciples du Gaon de Vilna, il est venu voir son maître, il a dit, ça fait 14 fois que je fais la Gemara Betsa, traité Betsa, traité qui parle de Yom Tov. J'ai l'impression que je ne la maîtrise pas encore complètement. Il a regardé, il dit, tu crois qu'avec 14 fois tu peux le maîtriser? D'accord. Il faut faire 100 fois, 101 fois, 200 fois, 500 fois, il y a d'ailleurs. Rémi Kenevski, il a fait 200 fois le chasse. Plus. Et même ça, pas que ça te dise, c'est j'ai tout fait, je connais tout, je suis arrivé. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a quelque chose au-dessus de ça. Le côté divin en toi, le côté de l'infini de ton âme. Bien sûr qu'il faut étudier, réétudier et réétudier encore en permanence. Mais il faut aussi mettre ce couvercle au-dessus. Il faut aussi mettre une relation directe avec Hachem par la tefila. Alors là, tu la sincère, comme tu dis, de Bodedou, c'est-à-dire tu te retrouves seul avec quelqu'un de Kadosh Baruch Hu, tu parles directement avec lui. Okay. Si on oublie ça, hein, d'après Rashi, ok, la Torah, tu la complètes. Mais il va te manquer quelque chose, il va te manquer ces chérubins. Alors, c'est ça en fait, on va conclure la sikha là-dessus. Parce que c'est ça, en fait, l'idée principale ici que Rashi vient nous dire. Au-delà de ce terme technique, savoir pourquoi c'est marqué après ou avant, parce que ça fait partie intégrante ou pas, c'est pour nous dire qu'il faut aussi avoir cette relation qui est méal à l'Aaron, qui est au-dessus du Aaron, au-dessus de la Torah. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on est des Juifs, qu'on a une âme juive, qu'on a quelque chose, une connexion directe. Et ça, c'est, si vous voulez... C'est ça la fonction intrinsèque du Mishkan, d'après Rashi. Rashi, bien sûr, qu'il y a l'idée de faire résider la Shrina. C'est marqué explicitement, Veshachanti Betocham, je vais résider. Mais, il y a quelque chose de plus. Retrouve ton dialogue avec Dieu. C'est de là que la parole, elle sort entre ces chérubins. Retrouve ta connexion. Qu'est-ce qu'Hachem veut vraiment de toi? Ah ben, c'est sûr, je sais ce qu'il veut de moi. Il veut que je sois un bon juif, je fasse Torah, Mitzvot, je fasse comme ça, comme si, c'est comme ça, je suis prêt à l'avoir. Très bien. Mais il y a quelque chose d'autre. Tu ne veux pas simplement être formaté dans quelque chose que tu dois suivre. Il doit y avoir quelque chose de vivant en toi. Quelque chose de direct. Savoir que Kadosh Baruch Hu, il t'aime toi, il te parle à toi. Que toi, tu es unique, qu'il n'y a personne d'autre comme toi.
comme un enfant. Ça veut dire c'est quoi les actions que je dois poser pour ça? C'est retrouver cette connexion. Retrouver cette connexion, ça peut être parler avec Hachem, prier avec Hachem. Quand tu pries avec Hachem, quand tu pries Hachem, est-ce que tu es là pour finir ton sidour et dire c'est, je m'en vais, c'est fini, je crois. Tu es Yotze. Yotze, ça veut dire je suis quitte. Alors quitte. Sors. Ouais. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Oh non, mais je suis Yotze, j'ai fait ma mitzvah. Donc je peux cocher que j'ai fait une mitzvah, j'ai fait une page, j'ai fait Arvid, j'ai fait ça. C'est là où la chassidoute elle rentre. La chassidoute elle vient, la pnimiote elle vient, et elle vient te dire non, il y a quelque chose d'au-dessus de ça qu'il faut que tu rétablisses, cette flamme, il faut qu'elle brille. D'accord? Il faut que ces deux enfants ils soient face à face. Il faut que les deux parties de la neshama qui est en haut, et la partie divine qui est en haut et la partie qui est en bas, elles se regardent. Elles se connectent. Il faut que tu aies une connexion avec le divin. Pas simplement au travers de la Torah, mais au travers de ta neshama. À partir de ta neshama et avec Hachem. Ouais. Alors on va d'après le Rambam. Alors le Rambam dit quelque chose qui est très important. C'est que tout le but, en réalité, de toute notre avoda, c'est pour que Dieu y soit présent. C'est pas simplement pour nous. C'est pour qu'Hachem y soit présent. On doit laisser de la place à Dieu. C'est un Mishkan. Laisse la place à la Shrina, laisse la place à Hachem dans l'univers, dans le monde. Les hommes, ils ont besoin de ça. Ils repoussent Dieu sans arrêt. Ou ils veulent se l'approprier d'une manière fausse avec tous les extrémistes. D'accord? Mais laisse la place à Kadosh Baruch Hu. C'est ça le Mishkan. Ouvre. C'est ça le but de la Torah. Le but de la Torah et des mitzvot. Pour que Dieu y réside. Ça, c'est vrai. Mais il y a autre chose aussi que Rashi vient nous rajouter. C'est qu'au-delà de tout ça, il y a une idée de connexion directe. Connexion entre notre neshama, l'essence de notre neshama et Dieu. C'est ça la caporette d'après lui. C'est ça les chérubins. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen. Amen.